Ah ouais, pour notre collecteur, il y avait un petit groupe de fans, c'était énorme. Ils bah ont fait bien marrer, ils ont apporté une bonne ambiance, sérieux, une très bonne ambiance ce groupe là. Après c'est normal, il gueulait, était aussi présent sur... Ouais, on avait mis cher à suprématie. Surtout que la suprématie revient fort sur PC. Ils ont eu des... Ils ont été très performants, mais là dernièrement je trouvais un peu moins ce quand même. Mais ils vont s'en remettre, il y a eu des changements. Chala, pas se faire gaffe à ça. C'est un changement de structure. Les Continuum sont les prochains champions du monde, retenez ce message. Ok, d'accord, why not. On note, oui. Y'a plus. Je pense pas, toi. Ah, tu penses pas, non, moi je pense pas, toi. Je pense que pour l'instant, c'est ceux qui maîtrisent le plus la méta. Ouais, je sais pas, Continuum aussi. Ils se sont reformés, mais ils sont vachement bons là, mais. Un peu trop faible, je crois. Ah, il a déjà... Ouais, t'as déjà eu des propositions de team. Ouais, de team CL. Smoke behind the mirror. Je trouve que Zephyr a perdu du niveau. Bon, je suis pas fait gaffe à Zephyr en particulier. Non, on peut pas trop juger sur ça. Pas un match. Go plant. Planting. Ça c'est qu'il a déjà une position plus de match. Bah. Mais frère! Faut me la sourire. Putain, il m'a enculé. Ah, pas mal le double kill là, rentré sur Sylvain. Tu le dis, c'est que peut-être. Bon, après, ça arrive à des joueurs de travers, c'est mauvais, c'est faut pas s'arrêter à ça. Et peut-être que son rôle c'est pas de faire des kills aussi. Non, puis après aussi, ils ont mis un changement. Sur ce kill. Non, on peut pas juger un joueur sur ses kills. Pour juger un joueur, faut vraiment jouer avec lui. Il change vraiment pas. What? Un gros. Oh, le spawn kill, gros. Il a mangé comme lead ball. Mais je sais pas, mais mec, il y a un truc avec mon nat où c'est pas possible, j'y arrive plus. Hein. J'y arrive plus. Même quand c'est dedans, c'est pas dedans. Il est possible que je donne un peu de nouveaux agents, mais je m'en rappelle plus. On en a parlé, mais je m'en rappelle plus. C'est pas fait gaffe. Zaref, c'est normal ça. Il y a encore trash talk la finale B. Ouais. Pingou est anti-BG. Il parle de Pingou. Ah d'accord, ok. Bon, laissez-le parler, vous en foutez ce qu'il dit. Putain. Sachez qu'il est salty, qu'il a une grande gueule, voilà, à partir de là. Kantori, le meilleur opener. Ouais. Après, il faut dire que le joueur Pingou est très très bon. Ça, je connais son talent. Genre, la remarque qu'il avait fait une fois Yogurt aussi. Le Yogurt de Yunktis me manque. Ouais, voilà. C'est rentré. Je pense pas qu'il trash talk Millennium Chloé. Je pense qu'il a trash talk Genius. Il les aime pas du tout. Rice Panic, c'est un très bon binôme qui marche depuis un long moment. Et blue, blue, blue! Comme ça, parce que c'est vraiment ce qui fait l'une des forces des Vitality. Ace of Speed pour les 20€, merci frérot. Deux personnes pourtant totalement différentes, mais alors in-game. Peut-être qu'un jour on se croisera en LAN avec des potes, on compte monter notre team compète aussi. Il faudra vraiment qu'on traîne beaucoup, etc. Mais un jour, si elle le fera, on y croit en tout cas. Bref, pour en revenir à l'équipe, j'ai pas voulu quitter Momo, Mustapha, Skygo. En plus, je venais de faire. Vous pouvez demander un moment, hein, je venais de faire entrer Juice et Skygo. Putain, je leur ai vendu des tapis pour les faire venir. Ouais, on va tout faire pour se qualifier, machin, on a un potentiel de ouf. Si t'as vu, t'inquiète, moi j'en prends vite et tout. Je vais emmener l'équipe loin, je ferai de mon mieux. Ouais, d'accord, ok, nickel. Ouais, salut White, moi je m'appelle Appel, tu veux pas venir dans mon équipe, on tente... Oh putain, mais il a fait une fast, Fabien, il a enculé tout le monde. Mais quel bande de fils de pute. On va dire ta merde. Ouais, d'accord, le match Business, on n'a pas eu de chance. Pas sûr, mais non plus sur certains rounds, on a pas été trop château. Non, c'est des erreurs. Des erreurs dues au stress, moi-même j'ai fait des grosses erreurs sur Oregon, je m'en souviens et je le sais.
était en feu, ouais. Yaourt, il a... Quel âge il a, Yaourt? 22. Attends, celui-là, 22, il est moins âge, quoi. Ouais. Non, il est plus vieux. Je sais pas. C'est vrai qu'il fait jeune. Bah, je sais pas, tiens, l'âge de Yaourt. Attends, je reviens. Bien sûr, j'ai eu une proposition d'une équipe Challenger League qui joue actuellement les relégations pour la Pro League. Donc Quand tout le monde sur Overwatch, t'as le bâtard, il envoie une petite pique comme ça. C'est quoi ce jeu? C'est quoi Fortnite perso? Ouais, Fortnite est vachement bien. Ah, bah oui, tu vas... il va faire vachement plus de Fortnite sur sa chaîne. Ouais, de ouf. Moi, rien pas du tout à dire. God of War et Far Cry 5. Je mettrai plus sur Far Cry 5 moi aussi. Ouais, mais à la PGV, on peut le tester que sur console, quoi. J'étais un peu déçu. Moi, je trouve que Zephyr est très bon sur le glace. Il m'a vachement surpris sur console, par exemple. Fortnite R6 Life. Vous avez quoi contre Overwatch? Non, je suis charrié, gros, t'inquiète. J'ai joué Overwatch pendant un moment. Ouais, Assassin's Origins. Bah, je l'ai pas acheté, mais il y a Destiny 2 aussi. Je sais pas si y en a qui jouent. The Witcher 3, tu joues encore à The Witcher 3. Hallucinant. Oh, la tête que t'as collée. Pour la Pro League, c'est rare le joueur. Gros, j'ai lancé une grue dans le main. Après, pour certains, ils trouvent que Fortnite c'est trop arcade. Mais moi j'aime bien, hein. Enfin, moi c'est un bon, j'aime bien le style. D'ailleurs, elle est bien rigide là pour ceux qui l'ont joué là. Je crois qu'il y en a un dans le main. Ça joue le dog derrière. Super répétitif. Mais le scénario est vachement bien. Moi j'ai rush le scénario à la fin. Ouais, ça y est, Kato elle dort. Non, c'est... Non, pas du tout. C'est Momo qui parle, Kato, c'est pas là. D'ailleurs, parce que c'est vachement épais. Ouais, voilà, il a fait une vidéo avec Panix, Scott, Jack, Falco et lui. Voilà, c'est le des fils de pute de rollback là. Voilà, c'est ça. L'ombre de la guerre ou Origin? Ah, je sais pas, j'ai pas joué à Origin. Mais l'ombre de la guerre, c'est vachement bien. Tout c'est une nippon cute. Ah, d'accord. Je regarde surtout les est-ce que ça vaut le coup de Jean-Baptiste Chaud. Bah après il y en a plein. Il en sort pas souvent, mais quand il les sort toutes les deux semaines plus ou moins il en sort. Bah là il va en faire une je pense avec la plus W. Mais c'est lui une semaine là, le temps qu'il prépare le truc et il va en sortir une. Sans ça, c'est abusé. Ouais de ouf. L'année prochaine on ira en cosplay, on va faire les mafieux autour de White. Where was he? Left or right? South. Alright. Attends. Salut Wade, je me demande. Ah, il switch.